bien, merci et bonsoir à toutes et à tous. Malgré le conseil municipal, il y a beaucoup de monde encore ce soir, c'est bien. Louisa nous a à la fois promené dans le temps et en Europe la semaine dernière avec Locke et Hobbs. Et puis ce soir, elle va nous faire promener avec Jean-Jacques Rousseau et Le Contrat Social, qui est le livre de référence s'agissant de Jean-Jacques Rousseau. Pour ne pas faire comme la dernière fois, et pour ceux qui n'étaient pas présents, Louisa est agrégée de philosophie, elle enseigne au lycée militaire d'Aix-en-Provence en classe terminale et préparatoire. Merci Louisa pour ta gentillesse, ta bonne humeur, ton sourire. Lorsqu'elle m'avait envoyé la photo, elle m'avait dit « Est-ce que ça va ?» Je suis bien avec un sourire pareil, ça ne peut qu'aller. Et c'est une des qualités de Louisa, c'est qu'elle est, elle est toujours très souriante. Oh, pas toujours. Hein. Ah bon. Merci, bon, merci d'être beaucoup. Là, merci à vous. Bon. Il y a plein d'interprétations possibles, il y a beaucoup de problèmes qui sont posés dans le texte. Par le texte, dans le texte, à travers un certain nombre de concepts qui sont paradoxaux, qui sont problématiques, mais c'est justement la richesse d'une pensée que de ne pas être facilement réduite à une seule voie et à ouvrir au contraire des problèmes, etc. Et c'est ça que je trouve très, très intéressant. Donc on ne va pas tous les ouvrir, ces problèmes, je vais donner une vision assez simplifiée. Mais qui demanderait en tout cas à être creusé par ailleurs. Alors, pour avoir une idée de ce que fait Rousseau dans le contrat social, il faut peut-être le situer dans le prolongement du livre antérieur, qui est, même c'est celui au fond que je préfère, qui est un livre aussi qui a une grande portée, et qui est le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, hein, qu'il a écrit en 1754, et le contrat social, il est écrit, je crois bien, en 1762, hein, donc il est bien postérieur, et donc il y a eu une élaboration qui s'est faite entre-temps, mais il y a quand même quelque chose qui est continué. Alors, que fait-il d'abord dans le discours sur l'origine de l'inégalité, qui est aussi très célèbre? Il fait quelque chose d'extrêmement original, justement, par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, par rapport aux penseurs, qui étaient les penseurs, on va dire, les philosophes les modernes et qui avaient vraiment le plus de portée, disons, à l'époque, par rapport aux philosophes du droit naturel moderne, il fait quelque chose de très original, c'est qu'il montre que on ne peut pas fonder les inégalités sociales et le pouvoir politique, mais aussi les inégalités de richesse, de statut, de situation, etc., de domination, sur quelque chose qui soit naturel, et que la nature ne fonde rien du tout de ce qui peut être visible dans la société telle qu'elle est. Et donc pour cela, il a dépouillé l'homme de tous ses attributs sociaux pour voir ce qui restait, et il restait peu de choses, si on en s'en tient à la nature elle-même. Donc dans le premier livre, il envisage l'homme à l'état de nature qui ne ressemble pas du tout à l'état de nature de ce qu'on a vu la dernière fois, puisque ce qu'on a vu la dernière fois envisage un état de nature où l'homme parle, où l'homme a des familles, l'homme travaille, où l'homme a une maison, etc. Donc l'homme est déjà socialisé. Et donc lui, il se dit, mais enlevons-lui tout attribut social, qu'est-ce que c'est qu'un homme non socialisé du tout? Et donc il reste assez proche de l'animal, hein, il est mu essentiellement par l'amour de soi, par la pitié envers autrui, qui est un sentiment naturel et qui peut être la base d'ailleurs de la morale envisagée par Rousseau. Et le troisième élément est le plus important, qui est chez l'homme, et qui est la perfectibilité, c'est-à-dire la capacité à apprendre, à évoluer, à partir des circonstances,
et à devenir autre chose qu'il n'est au départ. C'est la potentialité, la plasticité qui est propre à l'homme et qui est presque illimitée, à la différence de l'évolution qui peut exister chez l'animal et qui est plus limitée. Donc l'homme étant illimité dans sa capacité à apprendre à acquérir, il va être capable de passer du naturel au culturel selon les circonstances qui le poussent à le faire. Donc de lui-même il est heureux, donc on connaît, c'est un peu une vision simpliste et qui peut mener à des contresens. L'homme à l'état de nature est tranquille et heureux, il n'est pas violent, mais il n'est pas non plus généreux, il n'est pas gentil, hein. Il est simplement mu par la nécessité et il a quand même une pitié pour ses semblables qui ne va pas jusqu'à donner des choses qui lui font dont il a besoin, hein. C'est pas de la générosité, il ne tend pas l'autre joue, hein. C'est pas le Christ, hein. C'est simplement que voilà, on ne va pas nuire à l'autre sans nécessité. Donc tout va bien, mais il suppose qu'il a fallu qu'il y ait des transformations dans la nature qui poussent l'homme à survivre, parce qu'il y a bien quelque chose qui est, ça on l'avait vu l'année dernière, la dernière fois, il y a bien un instinct de survie qui est propre à la nature humaine et qui est très important pour toute cette pensée de cette époque-là, qui définit l'homme. Hein, l'amour de soi, qui fait que bah, il faut bien survivre, et pour survivre, eh bien, l'homme, tout d'un coup, se met à rendre active sa perfectibilité qui était endormie jusque-là. Et donc, il se met à créer des rapports sociaux, à cultiver la terre, à créer des familles, à apprendre à parler, à apprendre la métallurgie, à apprendre l'agriculture, etc., etc. Et donc, ça y est, c'est fini, la nature est finie, hein, l'état de nature pur et net est fini. On passe à la civilisation, l'homme se socialise, se civilise, petit à petit, il suppose, hein, cette civilisation, et qui est, et donc il envisage, il se dit, bon, donc ça permet de faire quoi? Pourquoi, enfin, on va en venir au contrat, enfin, ça risque d'être, je risque de ne pas faire vraiment des choses très approfondies, mais bon, c'est pas grave, hein, donc tout ça pour dire que ce qui se passe dans la société, en fait, n'est pas inscrit dans les gènes, on dirait de nos jours, de l'homme, hein, mais que c'est dû à cette socialisation qui se met en place. Et cette socialisation, elle est contingente, c'est-à-dire que la société aurait pu éventuellement se développer autrement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une nécessité à ce que les choses en soient venues à ce qu'elles sont. Mais une fois qu'il y a certains jalons, comme ça, certaines échéances qui vont faire évoluer l'histoire, ben on ne peut plus revenir en arrière, déjà. Hein, c'est ça qui est propre à l'histoire. On ne peut pas revenir en arrière, donc l'état de nature, on n'y revient pas et on ne peut pas y revenir. Et il n'est pas question de vouloir y revenir, contrairement à ce qu'on nous a fait dire. Et il y a des nécessités qui se créent et qui font que, bah, étant donné que le travail apparaît, étant donné que la division du travail apparaît, alors c'est très, on comprend que ça a inspiré Marx, hein, et ça crée un certain nombre de types de relations qui deviennent nécessaires, mais qui sont quand même à la base de l'ordre de l'histoire et pas de l'ordre de la nature. Et donc l'élément qui va être fondateur de ce que devient la société dans son injustice et dans ses inégalités, tout le monde le sait, c'est la propriété privée. Hein, donc c'est la propriété privée qui est le vrai fondateur de l'état civil, dit-il, celui qui a eu l'idée de mettre des barrières autour d'un champ et de dire « ceci est à moi » et qui a eu en face de lui des gens assez naïfs pour le croire, a été le vrai fondateur de l'état civil. Hein, donc il y a cette idée que voilà, c'est quelqu'un qui a été malin, mais qui a trompé les gens en disant que ceci est à moi, alors qu'il n'y avait pas de raison qu'ils disent ceci est à moi. Et donc en disant ceci est à moi et en faisant en sorte que, enfin, et parce que les autres l'écoutent, le reconnaissent et le croient, hein, donc il est créateur de la société civile parce que il crée à ce moment-là
l'idée, la reconnaissance, la nécessité de la reconnaissance sociale qui va garantir du coup le rapport à la propriété. Donc il se crée à ce moment-là des inégalités telles qui sont dues à deux choses, qui sont dues à la perfectibilité de chacun, qui est différemment développée selon les milieux sociaux. Hein, donc ça c'est très, voilà, c'est, les sociologues sont vraiment des héritiers de cette idée-là, c'est-à-dire que c'est le milieu social qui va créer les différences. Hein, à la base, tout le monde naît avec une perfectibilité identique, mais on ne se développe pas de la même manière selon que l'on est un enfant de classe aisée ou qu'on vit dans une favela. Hein. D'ailleurs, des choses qui sont peut-être plus positives d'un côté que de l'autre, mais aussi l'inverse. Hein. C'est pas, voilà. Mais en tout cas, ça différencie les individus, pas parce qu'il y en a qui sont supérieurs à d'autres, mais parce que les milieux sont différents. Donc, première inégalité, l'inégalité des milieux, le développement qui se fait différemment. Les inégalités de richesse dues au fait que ceux qui acquièrent la propriété s'emparent de choses qui au départ sont communes et du coup usurpent une terre, les choses c'est la terre, hein, c'est pas n'importe quoi, hein, usurpent la terre qui aurait pu être servir à satisfaire le besoin des autres et de tout le monde, donc ça crée l'inégalité des richesses. Et cela, à un moment donné, ça crée un état de guerre. Et donc on en vient à ce moment-là au fameux état de guerre qu'on a vu la dernière fois chez Hobbes, où l'homme est un loup pour l'homme, etc. Sauf que chez Hobbes, c'était la nature originelle de l'homme qui a poussé à cet état de guerre, tandis que chez Rousseau, c'est l'évolution de cette histoire qui a, et de la propriété, du travail, de la perfectibilité, qui aboutit à cet état. Mais à la base, l'état n'est pas comme ça dans la nature. Donc, ça aboutit à un état de guerre, à un état de violence, c'est plus vivable. Et donc, c'est là qu'intervient, du coup, l'idée d'un contrat social à ce moment-là. Sauf que, donc, dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, cette idée du contrat social, c'est qui l'a eu, à votre avis? Qui c'est qui peut avoir l'idée de se dire, bon, allez, il vaut mieux passer par la loi, là, il vaut mieux qu'il y ait des droits, etc. Ben, c'est pas les plus pauvres. C'est les plus riches. C'est-à-dire que l'idée du contrat social dans le discours sur l'origine, c'est l'idée géniale des plus riches qui ont plus à perdre que les plus pauvres, évidemment. Ceci dit, attention, hein, parce que même dans ce discours-là, qui donne pourtant une version critique, hein, de ce contrat, ça aboutit quand même finalement à l'apaisement, à la pacification des conflits, et tout n'est pas mauvais non plus pour le pauvre. Hein. Ceci dit, c'est quand même une usurpation. Hein, c'est quand même un contrat de dupe, d'une certaine manière, non pas parce que ça ne sert absolument pas aux pauvres, parce qu'il y a quand même du positif pour le pauvre, hein, attention, du fait que l'on passe, hein, de l'état de guerre à un état de droit, hein, de droit positif, hein, où il y a des lois, il y a quand même du positif, mais c'est quand même, je disais, un contrat de dupe, parce que le discours qui est tenu par le riche qui veut faire passer le contrat ressemble beaucoup au discours du propriétaire de tout à l'heure qui avait dit « ceci est à moi, hein, » et que tout le monde l'a cru. C'est qu'il fait croire que l'intérêt est commun alors que son intérêt est personnel, est individuel. Voilà. Et donc c'est là où est la duperie. C'est pas parce que ça ne sert pas du tout aux pauvres, parce qu'il y tire quand même un petit avantage, mais là est la duperie, parce qu'il croit que l'avantage est pour tout le monde, et il croit au discours, encore une fois, hein, enfin, bon, il y a de quoi réfléchir sur notre monde actuel, hein, c'est le discours qui est tenu, c'est celui de l'intérêt commun, alors que la réalité n'est pas du tout celle de l'intérêt commun, mais c'est celle de l'intérêt de classe, diraient certains, ou de, en tout cas, voilà, des propriétaires. Donc, c'est là où est la duperie. Donc,
voilà, Rousseau se demande du coup quel pourrait être le contrat social qui ne soit pas celui de l'imposteur, hein, qui fait croire à l'intérêt commun alors que ce n'est pas le cas. Eh bien, il faut chercher, hein, ce que peut être un contrat social légitime, hein, qui empêcherait cette duperie et qui, au fond, le problème avec ce contrat social de dupe, entre guillemets, qui est à nuancer encore une fois, mais bon, il y a quand même de la duperie, c'est que l'égalité de droit, hein, ne masque pas les inégalités de fait qui se perpétuent finalement malgré le contrat. Hein, dans le discours sur l'inégalité parmi les hommes, ce contrat arrange, pacifie les choses, mais le problème n'est pas résolu, hein, parce que ça continue. Du coup, les inégalités continuent, hein, et donc il y a toujours le risque du retour de la violence qui est toujours là, sous-jacent. Donc Rousseau se demande qu'est-ce que ça pourrait être, un contrat social où l'intérêt de ceux qui signent le pacte soit réellement un intérêt commun, un intérêt de tous, et pas seulement l'intérêt de certains. Et donc c'est là ce qu'il essaie de faire du coup dans le contrat social. Hein. Et donc il dit donc dans le début du livre 1, premier paragraphe du livre 1, « Je veux chercher si dans l'ordre civil, il peut y avoir quelques règles d'administration légitimes et sûres, en prenant les hommes tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être. Je tâcherai d'allier toujours dans cette recherche ce que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit, afin que la justice et l'utilité ne se trouvent point divisées. » Donc voilà son projet. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est qu'il cherche un principe d'administration politique, de fondement du politique qui soit légitime. Donc il y a l'idée d'une valeur normative, hein, d'une valeur morale, mais aussi sûre, c'est-à-dire qu'il pense quand même que le but d'une organisation politique est quand même d'abord de durer. Et donc il allie ces deux termes à la fin, la justice et l'utilité, ce que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit. Hein, donc il y a cette double finalité qui renvoie à des choses qu'on avait vues, à savoir l'idée que le rôle quand même du politique est de défendre l'intérêt quand même de l'individu. Hein, donc on va avoir, et c'est ça qui est toute l'originalité, enfin la particularité de Rousseau, c'est qu'il s'inscrit bien, c'est pour ça qu'on l'a appelé libéral d'une certaine manière, parce qu'il s'inscrit bien dans la logique qu'on a vue la dernière fois, qui est celle des droits individuel. L'individu est porteur de droits et il faut les défendre. Donc ça vient de l'individu quand même. La société, elle a pour finalité d'assurer l'intérêt de l'individu. Hein, donc en cela, c'est bien libéral. Mais d'un autre côté, ce qui va être différent, c'est que pour assurer cet intérêt individuel, il faut créer un contrat qui quelque part, crée réellement un intérêt commun où l'individu ne soit plus uniquement déterminé par son intérêt individuel. Et ça va être le fameux concept de volonté générale, hein, sur lequel on va revenir un petit peu tout à l'heure, qui est la grande, c'est-à-dire que la grande idée de Rousseau par rapport à la grande originalité par rapport à ce qui a été fait dans les autres contrats sociaux, ça va être d'une part de distinguer la souveraineté et le gouvernement, je vais y revenir, hein, c'est pas la même chose, et donc quand on dit que Rousseau est un démocrate, entre guillemets, en réalité, ce qu'il va prôner, c'est une souveraineté démocratique,
C'est-à-dire que c'est le peuple va être le peuple est souverain. Qui est souverain, c'est le peuple. Hein, c'est pas un monarque, c'est pas une assemblée, c'est le peuple. Donc c'est la souveraineté du peuple, souveraineté démocratique, mais le gouvernement n'est pas forcément démocratique. Hein, voilà, donc il y a une différence entre souveraineté et gouvernement. On va essayer d'expliquer ce qu'il entend par là. Et de l'autre côté, sa grande originalité, c'est le concept de volonté générale. Alors, comment il s'y prend donc dans le contrat social? Donc, il part bien de l'idée que le fondement du politique est bien artificiel et contractuel et non pas naturel. Hein, donc, et en cela, il est bien l'héritier de ce qui a été fait jusqu'alors. Hein, c'est pas naturellement que l'homme entre dans l'organisation politique, et surtout, c'est pas naturellement que se fonde l'autorité politique. Et donc, il commence le livre en distinguant l'autorité du père et l'autorité du chef de l'État. Et ça, évidemment, ça va contre, on l'avait vu, je crois, la dernière fois, contre les positions monarchistes, hein, les justifications de la monarchie. Alors, ce qui est intéressant, et que du coup, bon, c'est intéressant pour des problématiques actuelles sur la famille, qu'est-ce que la famille, la naturalité de la famille, etc. Déjà, Rousseau, hein, au XVIIIe siècle, montre que la famille est une réalité conventionnelle et pas naturelle. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de naturalité de la famille, mais la famille est quelque chose qui est conventionnel parce que il n'y a de famille que quand ça dure, hein, que lorsque les liens durent au-delà du besoin alimentaire de l'enfant. Et si la famille dure, c'est par convention et c'est pas par nature. Hein, donc déjà, il y a cette idée qui est assez étonnante, hein, même de nos jours, hein, on en est loin, hein, de penser ça de manière généralisée. La famille étant conventionnelle, l'autorité du père n'est une autorité que partielle dans le cadre de la famille, et de toute façon, elle n'est pas du même ordre que l'autorité l'autorité politique. Donc voilà, première chose donc, qui est éliminée. Oui, qui est temporaire. Donc, première distinction. Deuxième distinction qui est faite, et qui est un très très beau texte, qui est un petit chapitre, chapitre 3. Deuxième distinction, donc l'autorité ne vient pas de la nature, l'autorité ne vient pas non plus, c'est aussi une forme de nature d'ailleurs, de la force. Donc troisième chapitre, la force ne fait pas le droit. Hein, et donc c'est là où il y a ces fameuses, cette très belle formule, hein, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme la force en droit et l'obéissance en devoir. Hein, donc il montre bien cette différence entre la force qui est un rapport de nécessité, qui est un rapport physique, qui n'entraîne pas de droit, parce que ça n'entraîne aucune moralité, et que cela ne suppose aucun rapport à la volonté ni à la liberté des individus, c'est simplement un rapport qui peut être étudié en sciences physiques, hein, qui est de l'ordre de la relation entre des masses, entre des forces, et donc par conséquent entièrement relative, hein, du coup, puisqu'il suffit, si c'est la force qui fait le droit, dit-il, il suffit de faire en sorte qu'on soit le plus fort. Et à ce moment-là, le plus fort a toujours raison, et donc finalement, la force se détruit elle-même lorsqu'elle prétend être le droit, parce qu'elle autorise du coup quelqu'un qui serait plus fort à venir la faire disparaître. Hein, et donc implicitement, si le peuple se révolte de manière violente contre quelqu'un qui s'auto-légitime uniquement par la force, il ne fait que reprendre le même type de légitimité que celui qui gouverne. Donc, on est obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes.
finit-il par dire. Hein, et donc, cette idée-là est donc essentielle pour montrer ce que c'est que l'idée d'une organisation politique qui est fondée sur, qui ne peut être fondée que sur le droit et non pas sur les rapports de force. Bon, voilà, donc troisième chapitre. Ensuite, donc, il va, donc, certes, donc, il faut un contrat, il faut que ce contrat instaure du droit ou soit de l'ordre du droit et pas d'un rapport de force. C'est pourquoi, d'ailleurs, donc, le contrat ne peut jamais être un contrat d'esclavage, ne peut jamais être un contrat qui instaure une servitude, hein, qui mette... donc, il n'y a pas de servitude volontaire au sens propre du terme dans ce que dit Rousseau, parce qu'on ne peut pas volontairement s'instituer l'esclave de quelqu'un d'autre et on ne peut pas justifier l'esclavage sous prétexte qu'il serait juridiquement valable à partir du moment où celui qui est esclave a signé un contrat en disant je consens à l'être. J'accepte, je consens. Je choisis d'être esclave. On ne choisit pas d'être esclave. Et donc là, c'est toute une réflexion donc aussi sur l'idée, finalement, que certes, la politique est là pour permettre la sécurité de l'individu. On l'avait vu la dernière fois, que la sécurité, c'est quand même l'origine hein, du lien politique. Seulement, la sécurité... ne peut pas, comment dire, n'a pas de valeur politique si elle abolit la liberté. Hein, c'est-à-dire que la sécurité doit pouvoir, donc, et là déjà on a l'idée de ce qui va être défendu dans son contrat social. C'est l'idée que sécurité, oui, mais sécurité ne doit pas, la sécurité ne doit pas faire disparaître la liberté. Parce que si l'on cherche dans le lien politique, si on cherche la tranquillité et qu'on ne cherche que la tranquillité, il a une phrase magnifique, on vit aussi tranquille dans les cachots. Hein, donc voilà, c'est-à-dire que si c'est la tranquillité, on vit aussi tranquille dans les cachots, en est-ce assez pour se trouver bien. Voilà, donc il y a toujours des formules comme ça qui sont frappantes. Donc voilà, la tranquillité, d'accord, mais... Ça dépend quelle tranquillité. Donc, l'esclavage ne peut pas être justifié sous prétexte d'un contrat. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas d'un contrat à ce moment-là. Un contrat qui abolirait la liberté serait un contrat qui ne serait pas valide parce que la logique du contrat voudrait qu'il y ait un échange avec égalité de gains et de pertes des deux côtés, avec un arrangement... qui intéresse les deux parties du contrat. Or, un contrat où un gagne tout et l'autre perd tout n'est pas un contrat qui a un sens même juridique. Donc, le contrat d'esclavage n'est pas valide. Hein, et donc, je vous lis un passage donc qui est central sur cette idée-là, où il dit « Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, au droit de l'humanité, même à ses devoirs. Il n'y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce à tout. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme et c'est ôter toute moralité à ses actions que d'ôter toute liberté à sa volonté. Enfin, c'est une convention vaine et contradictoire de stipuler d'une part une autorité absolue et de l'autre une obéissance sans borne. N'est-il pas clair qu'on n'est engagé à rien envers celui dont on a le droit de tout exiger, et cette seule condition sans équivalent, sans échange, n'entraîne-t-elle pas la nullité de l'acte ? Ah, voilà, donc là c'est très clair. Et donc il y a cette idée que renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme.
dans le sens aussi que si on renonce à sa liberté, il n'y a plus de moralité possible, puisque un acte n'a de valeur morale, n'a de sens moral que si la personne a été libre de le faire. Ainsi, la personne est entièrement contrainte à agir de telle ou telle manière, son acte n'a plus de valeur morale. Donc enlever la liberté, c'est enlever la moralité de l'homme, et donc c'est enlever sa qualité d'homme. C'est le rendre l'équivalent de l'animal ou de l'objet. Bref, une argumentation qui est plus complexe, hein, puisqu'il parle aussi de la question du droit de la guerre, parce qu'on pourrait croire que le droit de la guerre permet de justifier le droit de l'esclavage, puisque, comme apparemment l'aurait dit aussi Grotius, hein, dans la guerre, le vainqueur peut donner le choix au vaincu de devenir esclave ou de mourir, et qu'il choisirait d'être esclave pour ne pas mourir. Mais il montre que c'est un faux droit de la guerre, parce que ce qui caractérise le droit de la guerre, c'est qu'on a le droit de tuer l'ennemi que quand il a les armes à la main. Et donc à partir du moment où il se rend, ce n'est plus l'ennemi, donc il n'y a plus de droit qui s'exerce sur lui, qui serait de l'ordre du droit de la guerre. Donc il y a plus, ça ne fonctionne pas. Bon, c'est toujours très, très logique, hein, donc ces argumentations. Et d'autant plus, et là il y a une idée aussi qui est aussi une idée nouvelle et très intéressante, c'est que quand on parle de guerre, on parle d'une relation de violence d'État contre État et non pas d'homme à homme. Hein, et que par conséquent, l'esclavage, voilà, la guerre n'est pas simplement de la violence ou n'est pas simplement du conflit, c'est un état de guerre entre deux États. Et par conséquent, ça ne marche pas quand on en parle en parlant de l'homme. Bon, évidemment, ça, c'est une critique directe de l'idée d'état de guerre, de l'état de nature de Hobbes, bon, voilà, comme état de guerre. Bien, donc tout ça a été rejeté, hein, ces fausses origines politiques ont été rejetées. Et on en vient à ce que lui envisage comme contrat. Et donc la première chose donc, qui est dite, c'est que le contrat, alors c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que le contrat est un pacte d'association et non pas un pacte de gouvernement. Hein, le pacte qui est passé est un pacte qui, dit-il, crée une association, et il faut distinguer l'agrégation de l'association. Hein, donc il dit, il y aura toujours une grande différence entre soumettre une multitude et régir une société, que des hommes épars soient successivement asservis à un seul en quelque nombre qu'ils puissent être, je ne vois là qu'un maître et des esclaves, je n'y vois point un peuple et son chef, c'est si l'on veut une agrégation, mais non pas une association, il n'y a là ni bien public, ni corps politique. Hein, donc le pacte social, c'est ce qui crée, le corps politique, c'est ce qui fait qu'un peuple est un peuple. Hein, donc le contrat social, c'est ça, chez Rousseau, c'est ce qui fait qu'un peuple est un peuple. C'est l'acte par lequel un peuple est un peuple. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que de l'état d'individu épars, pouvant avoir des relations, mais qui sont des relations qui ne créent pas un bien commun ou un intérêt commun, hein, ou une volonté commune, on passe à quelque chose où il y a une volonté commune, où il y a une unité. Hein, la différence entre l'agrégation et l'association, évidemment, c'est que dans l'agrégation, les unités sont dispersées, hein, sont juste ajoutées les unes aux autres, tandis que dans l'association, il y a une âme commune, il y a une unité commune. Et donc, on passe de la multitude au peuple. Hein, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu la dernière fois que chez Hobbes, dans le pacte de Hobbes,
était un pacte qui était, pour le souverain, un faux pacte, parce qu'il était en dehors du pacte. Hein, c'est-à-dire que les hommes acceptent d'obéir aux lois et de se défaire de leurs droits naturels, de tout sur tout, en autorisant un souverain à établir les lois. Hein, donc il y avait cette idée, le pacte chez Hobbes, c'était une autorisation donnée à un souverain qui allait, du coup, de par sa propre volonté à lui, agir dans l'idée d'un bien commun, mais qui était déterminé par son choix à lui. Hein, c'est-à-dire que... C'est l'idée d'une subordination. Et du coup, il y a l'idée d'une soumission, en tout cas. Hein, c'est-à-dire qu'il y a bien une autorisation à la base, mais après, il y a une soumission à la volonté du souverain, parce qu'il a été autorisé à le faire. Hein, c'est pas de l'arbitraire, hein, mais il a été autorisé. Et une fois qu'il est autorisé, sa volonté, c'est la volonté du peuple. D'accord ? Mais à ce moment-là, comment dire ? Le peuple n'est pas vraiment un peuple, dirait Rousseau. C'est-à-dire que le peuple reste une multitude qui est simplement rendue commune par la volonté du souverain qui ne fait pas partie du peuple. Donc c'est le souverain qui tient lieu d'unité de cette multitude. Mais le peuple en lui-même reste une multitude, finalement. Tandis que ce qui se passe dans la logique du contrat chez Rousseau, c'est que la multitude ne reste pas multitude. Elle se transforme en un peuple. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transformation comme dans un processus chimique. Hein, c'est-à-dire que des individus qui ont des qualités distinctes les uns des autres se mettent ensemble et créent un corps nouveau. Qui est celui du peuple avec une volonté qui sera la volonté générale, qui n'est pas la somme des volontés particulières. D'accord ? Alors, ce pacte social, donc, c'est le texte que vous avez en photocopie, doit répondre... doit répondre à un problème, hein, nous dit Rousseau. Je passe au troisième paragraphe, là, que vous avez. Cette somme de force, hein, qui est créée par le contrat, ne peut naître que du concours de plusieurs. Mais la force et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, comment les engagera-t-il sans se nuire et sans négliger les soins qu'il se doit ? Cette difficulté ramenée à mon sujet peut s'énoncer en ces termes. Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant, tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution. Vous voyez, donc, voilà le problème que doit résoudre le contrat social. On peut remarquer qu'il y a bien quelque chose qui pose problème, c'est ce rapport à la liberté. C'est-à-dire que la liberté... C'est que la finalité de la société, c'est bien la défense de la sécurité et de l'intérêt de l'individu. Donc c'est toujours quand même cette idée que c'est l'individu quand même qui est la finalité. Mais l'individu ne peut pas conserver la même liberté qu'avant le contrat social. Il faut bien qu'il s'engage à renoncer à quelque chose. Et donc c'est ça qui pose problème, c'est comment peut-il renoncer à quelque chose qui fait sa qualité d'homme, comme on a vu tout à l'heure, et qui non seulement fait sa qualité d'homme, c'est-à-dire un point de vue moral, mais qui aussi est ce qui, au fond, lui permet de garantir sa sécurité. Parce que c'est ça aussi qui est paradoxal, c'est que la liberté permet la sécurité. Pourquoi ? Parce que c'est parce que les êtres humains ont cette capacité, cette liberté,
qu'ils sont capables de se défendre, de créer des instruments de défense, d'inventer des moyens de se défendre, de prendre soin d'eux-mêmes parce qu'ils sont libres. C'est-à-dire que si on enlève la liberté, l'homme ne sera plus capable de prendre soin de lui-même. Il deviendra un objet. Un objet, il ne sait pas prendre soin de lui. Un objet est incapable de prendre soin de lui-même. Or, le but, c'est que l'homme arrive à survivre. Mais si je lui enlève la liberté, il ne survivra pas. Vous voyez ? Donc, il y a un peu cette idée que la liberté, c'est l'instrument de sa conservation. Et donc, je ne peux pas abolir la liberté, sinon la sécurité ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Mais en même temps, s'il laisse la liberté complète comme auparavant, on aboutit à des violences, à des rapports de force, etc., qui sont aussi dangereux. Donc la liberté est à la fois ce qui peut devenir source de danger et en même temps ce qui me permet aussi de survivre et ce qui me définit en tant qu'homme. Donc il faut arriver à garder le bon en limitant le mauvais. Alors, comment il y répond ? Eh bien, il y répond par, on peut lire la suite. Je lis le paragraphe 5, hein, c'est-à-dire pas le suivant, celui d'après. Ces clauses, donc les clauses du contrat, bien entendu, se réduisent toutes à une seule, savoir l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. Car premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous, et la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. De plus, l'aliénation se faisant sans réserve, l'union est aussi parfaite qu'elle peut l'être, et nul associé n'a plus rien à réclamer. Car s'il restait quelques droits aux particuliers, comme il n'y aurait aucun supérieur commun qui pût prononcer entre eux et le public, chacun étant en quelque point son propre juge, prétendrait bientôt l'être de tous. L'état de nature subsisterait et l'association deviendrait nécessairement tyrannique ou vaine. Enfin, chacun se donnant à tous ne se donne à personne. Voilà, ça c'est cette formule qui est très célèbre. Chacun se donnant à tous ne se donne à personne. Et comme il n'y a pas un associé sur lequel on acquiert le même droit qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce que l'on perd et plus de force pour conserver ce qu'on a. Si donc on écarte du pacte social ce qui n'est pas de son essence, on trouvera qu'il se réduit au terme suivant. Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. Bon, évidemment, ça demande énormément de commentaires, mais au moins le premier commentaire, c'est qu'on ne peut qu'être étonné de ce terme d'aliénation. Parce qu'il est en train de dire qu'il faut que chacun reste aussi libre qu'auparavant, et pour rester libre, il faut qu'il y ait une aliénation totale. Alors évidemment, c'est là qu'on lui a, on a dit, c'est un totalitaire à cause de ça, etc. Bon, il y a d'autres choses aussi qui vont apparemment un petit peu dans ce sens aussi. Bon, c'est vrai, c'est une interprétation, mais ici, le terme aliénation est bien un terme, qui est utilisé de manière provocatrice, hein, et qui finit par se défaire de lui-même dans le sens où c'est parce qu'elle est totale que l'aliénation empêche la domination. C'est-à-dire que c'est une aliénation totale qui empêche la domination. Pourquoi ? Parce que tout le monde aliène la totalité de sa personne et de ses biens, donc personne n'est le maître de personne. Et comme tout le monde le fait en même temps et de la même manière, il y a du coup, c'est-à-dire que sur la problématique du rapport entre l'égalité et la liberté, c'est parce qu'il y a égalité dans cette aliénation qu'il y a liberté, finalement, de chacun. Parce que ce qui empêche la liberté, c'est la domination de certains sur d'autres. Mais si c'est la volonté générale qui, de manière égale,
ordonne hein, ou commande à chacun, à ce moment-là, personne n'a de maître et tout le monde a un chef, dit-il. Hein, voilà, au chef politique. Et qui est ce chef politique, c'est la loi. C'est pas une personne. C'est voilà d'où on peut comprendre que il y a donc du coup cette idée de la liberté qui est, puisqu'on revient au problème de tout à l'heure, comment la liberté peut être à la fois conservée puisqu'elle est nécessaire à la, finalement à la survie et à la définition de l'être humain, tout en étant limitée. Eh bien, c'est qu'il y a une transformation de la liberté, dit-il, et non pas une suppression de la liberté. C'est qu'en passant le contrat social, la liberté de naturel devient civile, l'individu qui était simplement un homme devient un citoyen. C'est-à-dire qu'il y a une transformation hein, qui se fait au niveau de l'individu, mieux voir dans un texte, un petit texte qui est dans le chapitre, toujours du livre 1, qui est le chapitre 8, hein, où il dit, je vous le lis rapidement, hein, ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable. En substituant dans sa conduite la justice à l'instinct et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que la voie du devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit, l'homme qui jusque-là n'avait regardé que lui-même se voit forcé d'agir sur d'autres principes et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Quoiqu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés s'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'annoblissent, son âme tout entière s'élève à tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha pour jamais et qui d'un animal stupide et borné fit un être intelligent et un homme. Donc ce texte qui est célèbre, ben déjà ça montre que toute l'interprétation facile comme quoi pour Rousseau la société est mauvaise, hein, la civilisation est mauvaise et que l'homme doit rester à l'état de nature, etc. On voit bien que non, parce que c'est ce passage à la civilisation qui fait d'un animal stupide et borné un être intelligent et un homme. Donc déjà, premier point, ça permet d'éviter les contresens qu'on entend parfois de ci, de là. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que le passage est un changement. L'homme se transforme et que, il dit un petit peu plus loin, ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente. Et ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété. Quelle est la différence donc entre les deux sortes de liberté ? C'est que la première liberté, c'est une liberté qui n'engendre pas la moralité, hein, c'est une liberté qui n'a pas de valeur morale, qui est dans la liberté naturelle. La valeur morale naît quand même du droit, hein, naît à partir du rapport à la société. Et pourquoi ? Eh bien parce que la liberté naturelle, c'est un rapport de soi à soi-même, tandis que la liberté sociale, c'est un rapport de soi aux autres. De soi à soi, mais par l'intermédiaire des autres. C'est qu'en passant du naturel au social, on passe de l'instinct à la raison, c'est-à-dire qu'on passe de ce qui est un moteur purement individuel à l'idée d'un rapport à autrui. On tient compte de l'autre. C'est le rapport à l'autre qui me transforme et qui transforme du coup ma liberté. C'est-à-dire ma liberté, elle n'est pas abolie, mais elle est commune aux autres, avec les autres. Ma liberté, ce n'est pas une liberté de moi tout seul, c'est une liberté qui suppose de tenir compte de la liberté des autres. Donc c'est bien le rapport aux autres hommes qui fait que l'individu devient un citoyen.
Donc pour en revenir à l'idée d'aliénation de tout à l'heure, pour comprendre donc du coup l'idée de volonté générale, l'aliénation, c'est encore un rapport de moi à moi-même, mais de moi à moi-même sous deux rapports. C'est-à-dire que je passe un pacte entre moi et moi-même, c'est-à-dire entre moi comme individu purement naturel et coupé du reste, sans rapport avec les autres, à moi en tant qu'individu faisant partie d'un tout. C'est-à-dire que le moi demeure, mais c'est un moi isolé d'abord, et puis un moi comme partie d'un tout. C'est-à-dire que après le pacte, mon intérêt, mon individualité, elle est toujours là, mais elle est là en tant qu'elle est membre d'un tout. Elle est là en tant qu'elle fait partie de la totalité et non pas en tant qu'être isolé. Hein, c'est-à-dire que, donc, il y a quand même l'idée du droit individuel qui est maintenu, hein, les droits de l'individu sont maintenus, mais l'individu ne peut avoir de droit que parce qu'il doit se penser comme la partie d'un tout. Hein, il ne doit pas se penser comme étant tout seul et isolé, mais comme étant la partie d'un tout. Et donc on en vient à cette idée du coup de volonté générale. Ce que fait donc le pacte, c'est la création de cette âme du corps politique. Hein, on peut dire le corps politique, c'est un corps physique qui n'aurait pas d'âme s'il n'y avait pas cette volonté générale. Et donc cette volonté générale, c'est la volonté, c'est l'âme qui fait l'unité du corps politique, c'est-à-dire du peuple. C'est l'âme du peuple, cette volonté générale. Et que faut-il entendre par là? Et pourquoi ce n'est pas équivalent à la somme des volontés individuelles? Parce que la volonté générale, c'est au fond la volonté de chacun, mais en tant qu'il vise l'intérêt général et le bien commun, et non pas uniquement son intérêt particulier. Ce qui n'exclut pas son intérêt particulier, comme je disais tout à l'heure, mais son intérêt particulier en tant que membre du tout. Voilà. Donc en fait, la volonté générale, c'est ma volonté, mais ma volonté en tant qu'elle vise l'intérêt général dont je fais partie. Et pourquoi il fait intervenir la propriété ? Eh bien parce que le contrat social fait passer ce qui est simplement de l'ordre de la possession à l'état juridique de propriété, parce qu'on passe vraiment à un état juridique à partir du contrat social. Hein, voilà. Mais il y a quand même... Bon, enfin, c'est un autre problème qu'on pourrait développer, c'est l'idée que quand même pour Rousseau, la propriété n'est, certes, c'est un droit, hein, il y a un droit qui est institué, qui est le droit de propriété, mais la propriété doit être limitée aux besoins et à la non-usurpation à la possibilité que les autres puissent aussi satisfaire leurs besoins. Donc ce n'est pas du tout une propriété au sens actuel du terme, hein, c'est-à-dire c'est une propriété limitée qu'il envisage. Voilà, c'est-à-dire il y a quand même ce droit de propriété est un droit, mais c'est un droit qui suppose certaines limites dans la logique de Rousseau. Pourquoi ? Bon, parce que quelque part, pour que ça marche, parce qu'il se demande aussi comment ça peut marcher, ça a l'air, nous aussi, on se demande comment ça peut marcher, hein, cette volonté générale. Et Rousseau est bien conscient que c'est pas du tout évident. Mais c'est pas pour autant une utopie, c'est-à-dire que, comme on a vu au tout début, il veut prendre les hommes tels qu'ils sont, hein, et non pas tels qu'ils devraient être dans l'idéal. Ah, il ne cherche pas l'idéal. Donc, ce n'est pas une utopie. Mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu idéal, hein, dans cette façon de concevoir les choses. Mais il se demande, alors j'en verrai un petit peu à la fin, quels sont les problèmes qui se poseront constamment, hein, dans ce contrat social, et comment on peut essayer de,
de les limiter, ces problèmes, hein, se demandera Rousseau dans le livre 3 et 4 en particulier. Donc, qu'est-ce que je disais ? Donc, cette volonté générale, elle est générale dans le sens qu'elle vise un objet général. Hein, elle vise le bien général ou l'intérêt général. Elle est équivalente de la souveraineté. Cette volonté générale, c'est la souveraineté. Elle instaure donc la souveraineté du peuple, dans le sens où c'est cette volonté générale qui est souveraine et qui fait les lois, hein, qui établit les lois. Hein, les lois sont issues de cette volonté générale. Et donc là, il y a une subversion de la notion de souveraineté. Hein, qui est faite par Rousseau, qui est assez extraordinaire, c'est que la souveraineté, donc je vous l'avais dit la dernière fois, elle avait été révélée, on va dire, dans un livre du XVIIe siècle par Jean Bodin, hein, le livre des 6 livres de la République, où il dégageait l'idée de souveraineté, donc appliquée à la monarchie, donc cette idée qu'il n'y a pas finalement d'être supérieur, finalement le chef politique est souverain, hein, dans ses choix, et cette idée de souveraineté était donc ensuite reprise par Hobbes dans l'idée du souverain qui devient soit le monarque, soit une assemblée qui est autorisée par le peuple et qui devient souverain. Et tout d'un coup, avec Rousseau, la souveraineté, ben, c'est celle du peuple. C'est-à-dire que là, la souveraineté, c'est le peuple en entier qui est souverain, hein, et non pas un ou une partie qui est autorisée. Hein, donc il y a un changement de sens de la souveraineté, mais l'idée de souveraineté est maintenue, mais elle est transformée dans un sens démocratique. Il faut distinguer. Ah oui, donc la souveraineté fait la loi. La volonté générale, donc, fait la loi. Et il faut distinguer donc ce qui est de l'ordre de la loi et ce qui est de l'ordre du décret. Hein, la loi, c'est lorsque tout le peuple statue sur tout le peuple. Ah, et donc cette volonté générale, elle est générale dans son objet parce qu'elle vise des lois qui sont générales, qui intéressent la totalité, hein, du peuple, mais cette volonté générale n'a pas à statuer sur des cas particuliers. Hein, c'est-à-dire que les cas particuliers, eux, sont des applications précises de la loi, et ça, c'est pas la volonté générale. La volonté générale, c'est la volonté du peuple qui s'exprime à travers les lois. Et donc, c'est là où il y a cette distinction chez Rousseau entre la souveraineté et le gouvernement, qu'il ne faut pas oublier, hein, ça fait aussi partie de l'originalité de son point de vue. Le gouvernement est simplement, ce sont des magistrats qui sont des commissaires de la volonté générale. Hein, c'est-à-dire ils n'ont pas de volonté à eux. Hein, ils sont simplement mandatés, on va dire, sont chargés de l'exécution des lois et des décrets. Voilà. Hein, et ils sont simplement mandatés par la volonté générale. Et donc, cette distinction entre la souveraineté et le gouvernement est pour lui très importante et garantit la bonne valeur du contrat, parce que la peur constante, la conscience qu'a Rousseau, Rousseau a conscience d'un danger constant qui est celui de l'usurpation du pouvoir. C'est-à-dire que là, on en vient du coup à ce qui pose problème, à ce qui risque de poser problème dans ce système.
C'est donc d'une part que pour que ça marche, il faut que cette volonté générale soit à l'abri de toute usurpation des volontés particulières. Voilà. Et donc, c'est ça qui est très difficile. Et en particulier, il a conscience que c'est un des dangers constants de ceux qui sont au gouvernement. Et qu'il faut donc constamment qu'il y ait un contrôle qui soit fait pour qu'il n'y ait pas d'usurpation du pouvoir de la part de ceux qui sont tenus à l'exécution de la loi. C'est pas tout à fait ça qu'il dit, mais bon, en tout cas, il y a l'idée du danger de l'usurpation. Il y a autre chose aussi qui se méfie, voilà, c'est quelqu'un qui, après c'est discutable, hein, mais c'est quelqu'un qui se méfie énormément de tout ce qui peut être intérêt de groupe, on dirait de lobby de nos jours. Hein. C'est-à-dire que justement, pour que la volonté générale existe, il ne faut pas qu'il y ait des groupes de pression qui défendent, même si ce n'est pas que pour eux, mais que si c'est pour un groupe, mais dès qu'il y a groupe, il n'y a plus de volonté générale. Hein, donc c'est un autre danger aussi, hein, de l'usurpation des groupes, hein, des groupes d'intérêts. Donc il y a toujours des choses qui guettent la volonté générale, qui sont dangereux, qui sont des risques. C'est lorsque l'intérêt individuel devient dominant, hein, parce que l'individu il est toujours là, hein, et certes il y a un changement, il y a un changement qui ressemble à un changement chimique, mais il reste toujours là, l'individu, et l'intérêt individuel il est toujours là. Ah, et donc on peut très facilement oublier que l'on est citoyen et ne se souvenir que de ce que qu'on est individu. Et c'est ce qui risque d'arriver lorsque, alors il y a un passage que j'aime beaucoup, hein, donc est-ce que j'ai mis la page, bon j'essaie de le retrouver. Voilà, ça s'appelle donc, c'est le chapitre 15 du livre 3, ça s'appelle « Des députés ou représentants ». Et il dit donc « Sitôt que le service public cesse d'être la principale affaire des citoyens et qu'ils aiment mieux servir leur bourse que leur personne, que se servir de leur bourse que de leur personne, l'État est déjà près de sa ruine. Faut-il marcher au combat? Il paie des troupes et reste chez eux. Faut-il aller au conseil? Il nomme des députés et reste chez eux. À force de paresse et d'argent, ils ont enfin des soldats pour asservir la patrie et des représentants pour la vendre. C'est le tracas du commerce et des arts, c'est l'avide intérêt du gain, c'est la mollesse et l'amour des commodités qui changent les services personnels en argent. On cède une partie de son profit pour l'augmenter à son aise. Donnez de l'argent et bientôt vous aurez des fers. Ce mot de finance est un mot d'esclave. Il est inconnu dans la cité. Dans un État vraiment libre, les citoyens font tout avec leurs bras et rien avec de l'argent. » Donc il y a un peu quand même cet idéal, hein, de la participation du citoyen, c'est-à-dire que le terme citoyen, chez Rousseau, rappelle le citoyen grec, hein, rappelle la notion de citoyen actif politiquement, comme dans la démocratie grecque. Hein, ce n'est pas le citoyen qui se contente de voter. C'est un citoyen qui participe constamment à la vie de la cité. Et sitôt que les individus se désintéressent de la vie de la cité, il n'y a plus de volonté générale possible. Enfin, le pacte ne peut plus fonctionner à ce moment-là. Là, il y a un peu cette idée-là. Et donc, il y a une critique, un rejet de la représentation, hein, de l'idée de la notion de représentation politique. Voilà. Donc, il est conscient de ce danger continuel. De cette pente, hein, qui guette toujours. Alors, il envisage du coup des choses un petit peu étonnantes peut-être. Donc j'en parle un petit peu pour finir.
mais c'est tellement problématique que je suis pas sûre d'arriver vraiment à bien comprendre cette idée-là. Il envisage la figure d'un législateur, hein, c'est-à-dire que certes, le peuple est souverain, le gouvernement est le commissaire de cette volonté générale, mais il faut aussi, dit Rousseau, un législateur. Et ce législateur, qu'est-ce que c'est? C'est un peu mystérieux. Hein, c'est la figure d'un homme qui est exceptionnel, mais qui ne gouverne pas, qui n'a aucun pouvoir. Ah, donc je vais lire quand même le passage, parce que c'est quand même intéressant. Hein, qu'est-ce que c'est que ce législateur? Donc, livre 2. Livre 2, voilà, chapitre 7. Hein, et donc, il nous dit... Le législateur est à tous égards un homme extraordinaire dans l'État. S'il doit l'être par son génie, il ne l'est pas moins par son emploi. Ce n'est point magistrature, ce n'est point souveraineté. Donc il n'est ni souverain, ni exécuteur. Cet emploi qui constitue la République n'entre point dans sa constitution. C'est une fonction particulière et supérieure qui n'a rien de commun avec l'Empire humain, car si celui qui commande aux hommes ne doit pas commander aux lois, celui qui commande aux lois ne doit pas non plus commander aux hommes. Autrement, ces lois, ministres de ses passions, ne feraient souvent que perpétuer ses injustices et jamais ils ne pourraient éviter que des vues particulières n'altérassent la sainteté de son ouvrage. Alors, donc, ce législateur, qu'est-ce qu'il a comme rôle? Ah, donc, ce n'est pas de faire les lois, hein, du coup. Son rôle, c'est en quelque sorte de révéler au peuple sa propre volonté qui peut parfois ne pas être vue. Il peut être aveugle à son propre bien, le peuple. C'est un peu cette idée-là, cette fameuse formule au début. Hein, quelque part, le peuple veut toujours le bien, mais il ne le voit pas toujours. Le peuple peut ne pas se rendre compte de ce qu'est sa propre volonté, finalement. Et donc, le rôle du législateur, c'est de servir en quelque sorte de révélateur de cette volonté générale. Vous voyez, bon, c'est un peu à part, quoi. Hein, voilà. Donc, il est le révélateur un peu de la volonté générale. Il ne l'institue pas, il ne la constitue pas, il la révèle. Et il a quelque chose qui devient, là, dans le passage que je vous ai dit, quelque chose qui, finalement, son rôle, c'est de montrer le côté sacré de la loi. C'est-à-dire de donner à la loi une valeur sacrée. Et quelque part, de faire comprendre la valeur, finalement, que bien que ça soit le fruit de l'autonomie, c'est un terme que je n'ai pas encore employé, mais bon, c'était assez évident, il y a une autonomie du peuple qui se donne à lui-même ses propres lois. Hein, je ne l'ai pas dit clairement là, tout à l'heure. Cette volonté générale, elle fait la loi, mais le peuple, qui est celui qui fait la loi, est en même temps celui qui y obéit. Hein, donc on a bien cette idée de autonomie, autonomos en grec, qui se donne à soi-même ses propres lois. Hein, donc on a la liberté, ici c'est l'autonomie, hein, c'est pas l'indépendance, c'est l'autonomie. Mais cette autonomie n'empêche pas la nécessité d'une valeur sacrée. Enfin c'est, voilà, il y a un peu cette idée-là de la loi. Parce qu'il y a un peu l'idée que, il faut que l'idée de l'obéissance à la loi... ne soit pas simplement lié à une nécessité, à une habitude, mais ça soit quelque chose qui soit vraiment ancré dans le cœur du citoyen. Voilà, il faut que l'amour de la loi, qu'il y ait un amour de la loi. C'est-à-dire que ce dont est conscient aussi Rousseau, c'est que pour que tout ça marche, il faut qu'il y ait, que l'on parle aux passions et pas seulement à la raison, que l'on parle à l'opinion et aux passions du peuple. Et il faut donc créer une passion citoyenne, en quelque sorte. Il faut créer des passions citoyennes. C'est intéressant, hein, comme idée. Voilà, c'est-à-dire, il y a... et donc, le législateur, il ne dit pas comment, hein, mais il aurait pour rôle, comme ça, de développer
ce sentiment d'amour de la loi, de l'amour de l'obéissance à la loi, cette citoyenneté, cet amour de la citoyenneté finalement, qui ne passe pas, comme il dit, par la raison. C'est pas un philosophe qui va argumenter, hein, ça passe pas par la raison, ça passe par autre chose. Et là, c'est à mettre du coup en rapport avec l'autre, voilà, dernière chose dont je peux vous parler, qui est le chapitre sur la religion civile. Donc là aussi, encore quelque chose d'original qui a inspiré évidemment Robespierre à la Révolution, qui est l'idée de finalement, pour que ça marche justement au niveau des passions, des sentiments, des opinions, qu'il faut qu'il y ait une foi de la part du citoyen. Et il faut donc, c'est bien pour que qu'il y ait par conséquent une sorte de religion civile qui maintienne, hein, cet état d'amour de la cité. Voilà. Donc il envisage cette idée-là. Voilà. C'est assez étonnant. Hein. C'est, voilà. Donc voilà, qui crée une foi finalement. Donc vous voyez qu'il y a le côté l'autonomie, hein, le peuple se donne ses propres lois en se constituant en une volonté commune, une volonté générale, mais il faut aussi autre chose que ça, hein, sinon ça risque de ne pas marcher, et donc il faut aussi jouer sur l'opinion, sur les passions, etc. Voilà, donc, et ça reste ouvert, et le problème reste ouvert, hein. Bon, voilà, on peut peut-être s'arrêter. C'est bien que tu conclues sur religion civile, oui. Parce qu'en fait, religion, c'est relier. Ah donc, oui, c'est, c'est quel est le fondement qui relie les hommes, les citoyens, le peuple. Et moi, tout au long de ton exposé, je pensais à l'éloge de l'égoïsme. Parce qu'en fait, l'égoïsme, c'est tout centré vers soi, mais parce qu'on est tout, on centre tout vers tout. Oui, oui, donc là, l'égoïsme est d'autant mieux, c'est pas l'égoïsme, mais disons que l'intérêt de l'individu est d'autant mieux servi qu'il fait partie d'un tout et que ce qui, voilà, et ce qui fait la loi, quoi, c'est celui qui détient la loi. Alors, est-ce qu'il y a... Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à des questions très précises, hein, sur Rousseau, mais allez-y. J'aimerais simplement avoir un éclaircissement possible, si c'est possible, avec les théories anarchistes. Ah non, je ne connais pas. Je suis désolée, je ne suis pas calée. De ce que moi, ouais. J'entendais de l'anarchie, oui, ressemblait vraiment beaucoup à ce qu'a pu dire Rousseau. D'accord. Et donc j'aurais bien aimé avoir la différence entre ce qu'est l'anarchie et ce qu'on a pu en dire, et ouais. Ce qu'a pu dire Rousseau. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de types d'anarchie différentes. Hein. Il y a plusieurs sortes d'anarchie, mais tu penses peut-être à l'autogestion, à l'idée de l'autogestion, le fait de se donner. C'est-à-dire que l'autonomie peut ressembler à une autogestion, dans le sens où, finalement, le peuple se donne à lui-même ses propres lois. Mais au-delà de ça, oui. la volonté suprême, c'est un groupe de personnes qui décident d'aller tous dans la même direction. Donc Rousseau le dit, mais je le voyais aussi là. Donc c'est pour ça que je voulais avoir un peu d'éclaircissement là-dessus. D'accord. Sauf que ça ne peut pas être une anarchie, si tu veux la logique de Rousseau, parce que l'anarchie serait une absence d'État. Hein, c'était quand même l'idée d'une absence de loi. Hein, enfin, le sens fort de l'anarchie. Après, il y a peut-être de différentes sortes d'anarchie. Et là, comment dire, on est libre que parce qu'on obéit à la loi, et non pas parce qu'il n'y a pas de loi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a la fameuse formule, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Ben, il y a toujours des super formules, voilà. Obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Mais c'est bien l'eau, et d'où, voilà, la religion civile, c'est l'amour de l'obéissance à la loi. Donc il y a vraiment l'idée de l'obéissance à la loi. Ceci dit, quand même, la loi, c'est une loi... autonome, on s'est donné soi-même. Donc tu peux rejoindre ce côté-là. Quoi. Voilà. Et c'est pour ça, encore une fois, que l'État, comme tu disais tout à l'heure, l'État, c'est pas vraiment des consultants en plus de ce qu'a pu dire le groupe et faire respecter du coup ce qu'a pu dire le groupe. Donc c'est pas vraiment des gens. Des exécutants plutôt. Voilà, du coup, je sais pas si on peut appeler ça un État ou pas. Parce que du coup. Il distingue
il dit de même que si je prends un paralytique qui veut marcher, il ne marchera pas, mais si je prends un homme agile qui ne veut pas marcher, il ne marchera pas non plus. Et que quelque part, la souveraineté, c'est ce qui fait la volonté qui permet de marcher, et le gouvernement, c'est les jambes. Si tu veux, voilà. Donc c'est le lien entre la force et la volonté. Hein, il faut, et c'est quand même la volonté qui dirige. Hein, mais il faut exécuter ensuite la loi. Et c'est le rôle du gouvernement. Après, concrètement, comment ça marche, moi je ne saurais pas dire hein, à quoi ça peut ressembler concrètement. Mais c'est des idées, voilà, c'est une idée, c'est une grille de lecture du politique, une grille de lecture de la légitimité du politique. Qui est intéressante et qui, bon, qui a quand même pas mal, comment dire, inspiré des idées après de la Révolution, etc. Quoi, hein, mais, donc ça a eu un impact. Hein, voilà, mais, C'est ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans un gouvernement normal entre l'exécutif. Avec un président normal. Non, justement. Entre un exécutif qui fait appliquer des lois qui ont été construites par une assemblée législative. L'assemblée législative, c'est un peu la représentation du peuple qui se donne ses propres lois. Non, c'est pas législatif qui fait appliquer, c'est l'exécutif, c'est le gouvernement qui applique les lois. Le gouvernement, pardon. Donc le gouvernement, il n'y a pas de législatif dans la proposition. Mais il y a un législatif, c'est le peuple. Donc il n'y a pas de représentation. Ce qui suppose du coup qu'il faut quand même que les unités soient petites. Il est lui-même conscient du fait que dès que ça s'étend, l'idée de la participation directe est très très difficile. Hein. Il est conscient de toutes les difficultés. Hein. En fait, il a fait une constitution concrète, ce que j'ai pas lu, de la Corse et de la Pologne. Il a écrit deux livres sur la constitution. En fait, en gros, c'est drôle par rapport à nos jours, quoi, mais le seul endroit qui serait bien gouverné, c'est la France. C'est une île petite où on pourrait finalement. Oui, parce qu'on est sur une entité qui va se produire. Un des exemples intéressants aussi, c'est la première République et Sorbe. Ah, je sais pas. Qui s'est instituée République et autonome, donc qui est sortie de l'Italie pour décider de ses propres règles, de ses propres lois. Oui, j'avais sûrement une fausse idée de Rousseau. Je vais vous l'exprimer parce que je suis un ignorant. J'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est formidable. Moi, j'avais en tête que Rousseau, sa philosophie, c'était tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, et c'est la société qui le corrompt. Alors, ce que j'ai en tête, je ne sais pas d'où je le tire, vous l'avez-vous entendu ? C'est ce qu'on reproduit, c'est beaucoup de profs de français qui disent ça. Ne dites pas trop. Hein. Donc, c'est complètement... Non, c'est complètement ça, il y a un côté, Rousseau, je préfère être un homme de paradoxe qu'un homme de préjugé, ben ça, pour être un homme de paradoxe, c'est un homme de paradoxe. C'est-à-dire que dans ces textes, des fois, dans le même texte, il faut le relire trois fois pour être sûr de ce qu'il veut dire, et qu'il dit une chose, mais en fait, il dit... C'est-à-dire qu'il est paradoxal, hein, donc oui, il y a ce qu'il dit, mais c'est pas du tout l'idée... c'est Voltaire qui se prend, c'est son ennemi juré, hein, qui veut voilà, que Rousseau veut faire en sorte que l'homme goûte de l'herbe, hein, ou des trucs comme ça. Bon, c'est ça, c'est complètement faux. Hein. Ben merci en tout cas de m'avoir corrigé. Ben alors, tu as été excellentissime, Louisa. C'est la dernière séance pour cette année civile. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Chaleureuses, joyeuses.
Piketty. Ah, volontiers. Avec Bernard Tabuteau, qui va, comme à l'habitude, nous régaler. Merci beaucoup, Louisa, de ta participation, de ta gentillesse, de ta générosité, de tout ce que tu es. Et puis, je ne fais que répéter ce que tout le monde pense. Alors, à l'an prochain.